Ah, bien sûr, ça fait longtemps que je suis là et j'ai attendu ce moment de pouvoir rejouer et ça m'a fait plaisir, surtout avec la saison que l'équipe fait, c'est énorme. Donc j'ai bien savouré les deux premiers matchs, surtout qu'on a gagné mon premier match, on a gagné, donc j'ai apporté ce que je pouvais à l'équipe et le second on a fait match nul. Donc je pense que il y aura de bonnes choses pour l'année prochaine. Je vais continuer à bosser avec le groupe, à essayer de mieux m'intégrer dans le jeu et à mieux comprendre la ligue. C'est vrai que au premier match face à Nantes, c'était vraiment très difficile. Au début, les 15 premières minutes, j'avais de la peine à respirer, à trouver le deuxième souffle. Donc j'ai tenu, mais après, physiquement, je pense que moi j'étais bien. J'étais bien, j'ai bien géré le match. Et après, le deuxième match, moi, franchement, je me sentais bien de pouvoir jouer 90 minutes. Mais bon, après, il faut prendre des précautions. On sait jamais, voilà, je sors de 11 mois sans jouer, avec une grosse blessure. Donc c'est mieux d'aller tout doucement. Mais sinon, physiquement, ça va de mieux en mieux. Ouais, je pense 70%. Pour l'instant, ça va, 70%. Avec quelques matchs encore, malgré que la saison soit terminée là. Mais avec la préparation, je pense que je vais revenir à 100%. Déjà, on a un très bon groupe. On a des joueurs de qualité. Et vous savez aussi, si on est parmi les meilleures défenses d'Europe, c'est parce que voilà, on a défensivement on est bon et voilà, moi j'ai joué les deux premiers matchs, j'ai vu que voilà, ça suivait défensivement, que tout le monde était à portée défensivement comme offensivement et voilà, pour moi c'est bien, sachant que je suis quelqu'un qui aime me porter vers l'attaque et voilà, au moins dans ma tête je serais tranquille que voilà, j'ai des gars qui vont me couvrir. Si je peux apporter offensivement, ils vont me couvrir. Donc pour moi, c'est vraiment. Si on refait cette saison l'année prochaine, je pense on sera parmi les 5 premières. Moi, pour l'instant, je pense que c'est le football. Hein, le ballon, il est rond. Et voilà, malgré que je vienne de la MLS, j'ai quand même joué des matchs avec l'équipe nationale. Mais je n'ai pas vu grand changement. C'est un peu plus tactique et plus, je dirais, technique que du championnat où je viens. Mais après c'est le football, il faut juste s'intégrer parce que voilà, c'est différent. Ici, c'est le secteur francophone et moi, je viens du secteur anglophone. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais après, voilà, sur les entraînements et après les matchs, ça va venir tout seul. Ouais, bien sûr, avec le groupe, déjà, on n'en parle pas parce que c'est un groupe magnifique, ils m'ont bien accueilli. Après, avec la ville aussi, je suis arrivé en hiver, mais il n'y avait pas d'hiver. Donc, pour moi, c'est le plus beau cadeau de la ville. Donc, voilà, tous les jours, il fait beau. Et voilà, tu t'entraînes bien, les gens ils sont accueillants, donc je vois pas à quel niveau je vais me plaindre. Donc c'est à moi juste de faire vibrer la ville. Ouais, normal, comme moi j'aborde les matchs, tous les matchs pour moi sont des finales, donc il faut pas s'amuser parce que voilà. C'est ton métier, c'est ce qui te donne à manger. Donc chaque match qui arrive, que ce soit contre le dernier ou le premier, moi je prépare ça comme une finale. Donc il faut terminer la saison très bien. J'ai eu que 3 matchs. Et ça sera mon troisième match peut-être si y a la chance que le coach m'aligne. Donc je vais essayer de donner le meilleur de moi pour que voilà, on puisse rentrer avec un résultat positif. Parce qu'après il y a 3 résultats, il y a le nul, il y a la victoire et la défaite. Après, il faut prendre ça positivement. Mais je pense qu'on a l'occasion de bien terminer la saison et pourquoi pas à Rennes. Ouais, c'est important. On ne sait jamais si, voilà, après,
on a décidé de pouvoir, par chance, revenir encore peut-être septième, on ne sait pas, ou avoir une place peut-être huitième, ou... mais ça passe par la victoire. Bah, c'est sûr que je vais rentrer à travailler, j'ai un peu de retard sur les autres. Je vais prendre quelques jours pour bien me reposer et après je vais enchaîner tranquille pour bien revenir pour la préparation.